sur place et qui se sont vus mourir ce soir-là. Et le bien oui, bienvenue toujours en ce destiné, lui, ouais, aux vendredi 10. Décédés, qui doivent souvent en attendre de longues heures avant de se voir confirmer le bon. Décès. Alors, vous sur l'un, il y avait le Macron, en boîte sur ce Rothschild. Il était allé en Arabie Saoudite. Pas encore réglé, d'autant que de nouvelles victimes peuvent et se font. Sur la 2, 2579 victimes indemnisées. Bon. Merci beaucoup, Justine. Et 2 ans, presque jour pour jour, après les attaques terroristes qui avaient fait 130 morts. Le Bataclan accueille, vous le savez, à nouveau de nombreux spectacles. Cette semaine, c'est le groupe de rock Trust. Moi, je m'étais fait une purée. Ce soir-là, des fans. Avec un peu de potage. Que je l'ai fait cuire dimanche. Ah ouais, c'était bien aussi, son Bataclan. Avec Élodie Delmoy. Sur la scène du Bataclan, les paroles du groupe Trust prennent un sens tout particulier. 2 ans, presque jour pour jour après les attentats, Patricia Le Gall, rescapée des attaques, est de retour au premier rang. Juste devant la scène, c'est là qu'elle se trouvait, le 13 novembre 2015. Quand en plein concert, elle entend les tirs. Revenir au Bataclan, se forcer à refaire ce chemin jusqu'à la scène, pour surmonter la peur, s'imposer cette étape pour se reconstruire. Le 13, j'étais devant, au milieu. J'écoutais dans mes poches, j'ai toujours pas une thune. Le chemin de la sortie de secours. La gauche qui est mise volte. Je vais Patrick Lalmont alors. Là, à Carrefour. Tu te souviens quand c'était vu, tu sais, dans l'escalator. Tu te souviens hein, quand c'était les élections, je t'avais dit les laïcs c'est comme le numérique, c'est électronique. Tu avais réfléchi une minute, puis tu m'as dit ouais, t'as raison. Eh ben tu peux voir le socialiste à Carrefour. Hein. Et moi j'ai dit, ben moi j'étais humaniste. Pas d'histoire de pognon avec moi. Un petit peu pour tout le monde. Charlie Hebdo, le Bataclan, tu vois, tous des trucs à opinion publique, c'est pour débiles mentaux. C'est à peu près l'heure à laquelle ça a commencé à tirer, et du coup, c'est resté impacté dans mon cerveau. Si on dit que c'est ton président qui a payé pour ça. Sur le côté de la salle de spectacle, que les deux jeunes femmes réussissent à s'échapper. C'est Bilderberg. Elles la doivent à un homme, le responsable de la sécurité qui les a guidées vers la rue. Il est toujours en poste aujourd'hui, mais le dispositif a entièrement changé. Ici, c'est le PCCQ. Donc, bon, mais vous mangez tant que c'est chaud que de regarder de la merde. Chacune des portes peut être verrouillée à distance depuis cette salle. Un agent de sécurité. Qui c'est qui finance tous les terroristes, hein? La salle est truffée de caméras. Pour un con, qui c'est qui vend les armes? Vous êtes tous coupables de crimes contre l'humanité. Et je vous emmerde. Chef d'État corrompu. Trust joue ce soir. C'est tube mythique. Hier, c'était le Donald qui aime se faire pisser dessus. Et il y a l'histoire du TGV. Je l'ai écrit tout à l'heure et ça passe ce soir. Non, mais c'est incroyable. À la fin du concert, le chanteur Bernie Bonvoisin réserve un mot aux deux jeunes femmes. Comme un certain apparemment qui veut en faire un sanctuaire et qui trouve ça déplacé de venir jouer, moi je pense qu'il faut aller justement. Il faut jouer. Sinon, ça veut dire que il y a eu des morts pour rien et puis nous on a besoin de faire. Il était passé à Nice, je voulais aller le voir, mais j'avais pas une thune. Que finalement, je crois que c'était entier, mais je sais pas trop. J'aurais loupé une étape. Je sais pas si je peux dire la reconstruction, mais en tous les cas, voilà.